j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time, mais je vais vous présenter mon invité. Bonjour. Je suis timide. C'est mon cousin. Il s'appelle... Claude Axel Asseignan, CAA, Clauda, Coco, Coco la pagaille, Clou. Ça dépend de vous. Merci. Ah, pour quelqu'un qui est timide, franchement, c'est lourd. En fait, tu es là, dans quel but? Pour m'humilier? Non, dénoncer les choses. Dénoncer quoi? La vérité. Je suis là pour la manifestation de la vérité. Je laisse nos différents comptes Instagram, allez nous suivre là-bas. Comme je vous ai déjà dit, c'est de là-bas que viennent la majorité de mes vidéos, mes idées vidéo. Donc voilà, abonnez-vous. Puis voilà, on va commencer. On va commencer quoi? On va commencer. Tu vas commencer à m'humilier, c'est pas besoin de dire. Non, c'est un échange. Bon. Ok. On va reconstituer les faits. Ça datait. Je ne sais même plus ça s'est passé en quelle année. 2008. Ouais, 2009. Nos mamans avaient l'habitude de se voir les week-ends, donc les samedis. Et la maison où on était, il y avait une piscine. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, ouais, on pouvait nager, c'est bon. Tu sais pas nager. Du coup, je ne sais pas dire la vérité. Du coup, chaque samedi, on se retrouvait avec en famille, tout ça, on papotait, tranquille, on passait. Oh, bonne ambiance! Ambiance bon enfant. Du coup, toujours on est dans la piscine. Elle est là, elle met ses pieds seulement. Elle fait genre. Et puis, attends, quelque chose qu'il faut que je dise. C'est que j'étais à une période, je crois que j'étais en quatrième. Non, quoi? Quatrième ou bien troisième. Mm-hmm. Et ça, à cette période-là, tu. En fait, c'est à ce moment-là que tu commences à. Les choses commencent à pousser sur toi. Donc tu es un peu. Tu es un peu. Non, mais tu n'as pas envie de te montrer, tu vois. Et tu as bien regardé. Bon, j'ai mais. Malade. Mets ça en pause, ma chérie. Et le pire, c'est que. Le truc, c'est que je n'étais même pas venue avec un maillot de bain, en fait. Le jour où ça s'est passé là. Si je te souviens, mais c'est tata qui m'a prêté un ancien maillot de bain, en fait, tu vois. Il n'y avait pas de. Mais ils ont tellement insisté. On n'a pas insisté. Nous étions en train de. Ambiance mon enfant, comme je vous ai dit, tranquille. On faisait des phases dans la piscine. Ouais, c'était de l'otage. Elle a fait truc, petit pied, comme d'habitude. Mais moi, j'ai dit, pourquoi elle a toujours. Elle fait juste ça et puis après, elle fait plus rien. Elle dit, mais je reviens, tu as fait aussi. À cette époque-là, je ne savais pas nager, en fait. Et ils ont insisté que, tu vois que tu n'as pas besoin de faire quelque chose et puis la famille est toujours là. Oh, mais toi, tu aimes ça, et tes cousins sont loulous, va. Donc, ma tante m'a prêté, la personne chez qui on était, m'a prêté un ancien maillot de bain qu'elle avait. J'ai mis le maillot. Au départ, il y avait mes pieds, je ne sais pas nager. Il y avait mes pieds et tout. Moi, je ne savais pas. Son frère et lui ne savaient pas. Mais les deux autres cousins savaient que je ne savais pas nager, tu vois. Et ils étaient au grand bassin en train de faire les crawls, les apnées, les quoi, en train de s'amuser dans l'eau, en fait. Et à un moment, je ne sais plus, je pense que. Je voulais aller vers eux en fait, on allait causer. Au départ, je voyais j'étais agrippée au bord là. Donc on causait jusqu'à... Tu sais que l'eau là, ça avance l'homme en fait. Quoi? C'est la mer, non? Non, c'est pas la mer, mais c'est la piscine. Quand vous faites le mouvement, c'est pas que l'eau là. La vague d'eau qui vient, ça me prend pour partir en fait. À un moment, je sais pas comment je suis arrivée au milieu. Et quand je suis arrivée au milieu, je sentais qu'il était en train de descendre en fait. Comme je dis, c'est un défaut, hein. Ça peut me mener à voilà, il touche du bois, mais ça peut me mener à là. T'as pas demandé. C'est-à-dire que moi, là, je peux être dans un tour, non. Je n'ai pas demandé aide à quelqu'un, en fait. Tu vois. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient tellement amusés. Exactement. Exactement. Nous, tu vois, comme d'habitude, tranquille, on kiffait et tout. Et on va appeler à go. Et tu vois, là, tu vois, cette famille à fond. C'est la famille, où. Mais attends, il y a ma mère, elle regarde tout, genre, elle chiquève. Elle voit que, ah. Non, avant ça, quand j'étais en bas, quand j'ai commencé à me débattre, Gilles Aki, mon cousin, il a vu que ça n'allait pas en fait. Donc il est venu, il a essayé de me soulever. Mm-hmm. Sauf que, comme je l'ai dit là, c'était en 2009, il y a quoi? 11 ans. Il y a 5 ans, Gilles Aki, mais moi. Wow, quand même. Donc peut-être que j'avais quoi, 14 ans. T'es pas très jeune. Ouais, j'avais. J'avais 14 ans. Du coup, Gilles Aki m'avait peut-être 11 ans. Enfin, c'est pas calculé. Il avait 9 ans. 14 moins 5. Ouais, 9 ans. Merci. Donc, il était un enfant, en fait. Donc, il essaie de me tirer. Et quand tu aides, tu veux aider quelqu'un de la merde, quand tu me. Moi, je t'appuie pour pouvoir me lever, en fait. Mais Gilles Aki ne pouvait pas. Son petit frère est venu qui est encore plus jeune. Mais son petit frère, il a 7 ans. Il est venu. Tout ça, on est tous dans l'eau. Hein. Lui aussi, il est venu. Donc, à un moment, eux, ils sont montés. Et le pire, c'est qu'ils ne vont pas dire à quelqu'un qu'ils sont des me noyer. Ils sont là. Ils sont, mais on peut faire quoi?
Et il y a un truc que je n'ai jamais oublié. C'est que lui, sa maman, je pense qu'elle a suivi la scène en fait. Moi, j'étais dans l'eau, très sincèrement. Je pensais que j'allais mourir en fait. Parce que je vous jure que j'ai vu ma vie défiler. Mais je pense, sincèrement, je pensais que j'allais mourir. Hein. Et je pense que ce jour-là, j'ai frôlé la mort. Parce que je jure que j'ai vu tout. Depuis que je suis petite jusqu'à arriver à cet âge-là, j'ai vu tout défiler comme ça en fait. Yeah. Et peut-être que quand tu meurs, c'est comme ça. T'as pas vu une lumière blanche? Non. T'as pas quelqu'un qui dit je viens? En fait, franchement, mes yeux, mon peut-être que mon esprit partait même. Il y a quelqu'un qui a attrapé ma main. Qui m'a... Donc, moi, j'essaie de l'appuyer. C'est sa maman. Et le pire. Elle a fait tuer ma maman. Le pire, c'est que sa maman aussi, c'est pas ma vie, en fait. Oui, j'aime beaucoup ma maman. Mais ça, c'est un tue-l'amour. Pourquoi? Les gens qui ne savent pas nager, là. Mm. S'il vous plaît, apprenez à nager. Parce que tu ne peux pas vivre en 2021, elle ne sait toujours pas nager. On nage pour aller au paradis. Ce jour, je ne vais jamais oublier ça parce qu'elle n'a même pas réfléchi en fait. Sa maman a couru, elle est venue sauter, elle ne sait pas nager. Elle me saoulait, moi je l'ai appuyé, le ciel commence à m'appuyer un peu. Et on m'a fait sortir. Tonton Yannick. Oh. Tonton Yannick aussi ne sait pas nager. Il est venu descendre pour venir parce que moi quand je suis sortie, il est venu sauver. Mais si. Ok. Il est venu sauver sa maman à lui. Et j'ai dit que je suis sortie de, que je suis sortie de ça. Pour vous dire que c'est depuis 2008-2009, en 2021, ça me suit. Et tous les jours de sa vie, il va me rappeler que c'est ça qui est ça. Donc, à la fin, on m'a sauvée. Quand je suis arrivée, tout le monde a demandé à ma maman, mais Haï, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas, genre, elle n'a pas vécu au moment où elle a capté là. Elle était un peu crispée, en fait. Donc, voilà. Donc, tata aimé, sa maman là. Sa maman a dit à ma maman que non, que c'est pas comme ça. Et à la fin, tout le monde s'est bien moqué de moi. Mais je, bon, franchement, ça me dit rien en fait. C'est pas nager, c'est pas nager. Il y a des choses qu'elle s'est fait, c'est pas fait. Et toi? Pourquoi il a dit ça ici? On va faire un débat en commentaire. Après, on va voir. Oui. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si c'est en 2021, c'est obligé de savoir nager. Voilà. Oui. Pour c'est obligé, non pour c'est pas obligé. Mais motivant quand même les réponses. Oui. Parce que elle va jamais accepter que c'est... Non, attends, c'est comme manger. Comment ça c'est comme manger? Et voilà, il est venu gâter la vidéo. Nous étions très inspirés et petit ah, lumière, je montre le bateau. Je viens. Venez bien, il m'a appelé, il est comme FD. Elle est venue, elle est manière de dire, moi je sais pas nager. Et elle est tombée dans l'eau là comme ça. Agou, Toi, tu m'as sauvé. En tout cas, si bien sûr, ne restez jamais près d'une piscine. Quand vous allez vous avez un peu l'accès ici. Mais il est mauvais, il était au bord de la piscine. Il riait. Quel vilain, t'as donné un ventilateur, c'est noir, machin. C'est un sorcier qui est là. Donc là, c'est tu te moquais. On s'amuse. Il s'est moqué. C'est faux. Il s'est moqué. Donc, bref, on a fini de vous raconter l'histoire. Franchement, pour ceux qui ne savent pas nager, qui n'ont pas envie d'apprendre à nager, vous avez le droit. Non, petit frère. On n'a pas parlé au bal. Un message à ceux qui ne savent pas nager. C'est tu l'amour. En 2021. Je suis désolée. C'est pas obligé de tout savoir faire dans la vie. Oui, parce que vraiment, la vie là. Tu veux pas aller à la plage, Ngo, et puis c'est maintenant, t'as déjà des joueurs, ça va être nageur. Kino, faut pas aller trop loin. On va faire brûler. Kino, on fait basse comme ça. Mais la vie, c'est les gigas. Tu sais pas nager, on t'est boué. Merci. Merci. C'était un message du ministre. Et bien, attends. Ego. Et lui, ton carbone. Ouais, une question pour toi. Le jour, tu l'as ouvert à Cannes, là, tu t'es sérieux. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous allez suivre. Viens rentrer dans ta poche. Dis, dégage. Quitte là. C'est la fin de la vidéo, cet imbécile m'a laissé. C'est faux, hein. Je suis là. N'oublie
N'oubliez pas de vous abonner. Franchement, franchement. Bref. Bisous, bisous, les gars.